Bon ben voilà les gars, le petit tractopel de chez Leur Discount. Donc c'est un petit crankbait flottant de 31 mm pour 2,7 g. Voilà, bah c'est parfait pour pêcher le chevesne, la perche et la truite parce qu'il est silencieux aussi. Donc voilà, bah moi je vais vous montrer comment j'anime un crank et puis après on se retrouve dès que je fais des fiches. Donc moi, côte animation pour le crank, je m'embête pas. Il y a le lancer ramené basique. On fait du lancer ramené, on accélère ou non. Voilà, on met la vitesse qu'on a envie de mettre. Si on accélère, des fois, ça peut déclencher des attaques, surtout chez les perches. Ça, c'est l'animation la plus basique. Et moi, celle que j'aime faire, c'est le ramener doucement et lui mettre des petits tirés par-ci, par-là. Ça le déhanche un petit peu, voilà, comme c'est un petit crankbait qui est rond. Ça le tourne un peu à gauche, un coup à droite, voilà, ça lui fait un petit rolling. Et généralement, bah, les perches, les chevesnes qui suivent derrière, ça les déclenche deux fois plus. Voilà, moi, c'est mon ressenti à moi. Donc voilà, chacun anime un crank comme il veut, mais voilà, l'idéal, c'est de le lancer, faire des petites tirées, le ramener tout doucement. N'hésitez pas à faire des pauses aussi. S'il y a un obstacle pour que le leurre remonte au-dessus de l'obstacle, ou carrément même des fois des pauses, ça suffit juste pour déclencher des attaques à la récupération ou à la pause. Et ce qui est bien aussi sur le crankbait, c'est quand moi j'aime bien pêcher à vue avec, surtout chercher les gros chevesnes. On s'approche doucement et on essaie de le renvoyer juste devant la gueule ou juste derrière la queue. Et là, une fois sur deux, c'est strike, hein, il se retourne ou alors il ouvre la gueule et il le prend d'entrée. Hein. Voilà. Allez les gars, on se retrouve dès que je refais un petit peu de fiche. Poisson à tomber. Superbe. Hop. J'ai pas pris l'épuisette parce que là pour descendre c'est tendu. Et ben voilà, cool ça. Hop. Ah mince, désolé pour la rise. Voilà, optique crank de chez Leur Discount, le tractopel. Un petit crank flottant. Ah bah super. Poisson. Qu'est-ce que c'est? Chercheux? C'est pas gros. Ah mais le crank, hein, c'est redoutable sur les chevesnes aussi. Et voilà, deuxième checheux, au petit crank de chez Leur Discount. Hop. La pierre blanche. On va viser la pierre blanche. Tac. Mouette. Tiens, poisson. Eh, cool. Hop là, il m'a pris sur une pause. C'est pas gros. J'aurais bien prendre des plus gros, mais bon. Hop, c'est poisson quand même. Et ben voilà. Il est reparti à l'eau, le coco. Ah, toujours au petit crank. Poisson. Ah cool.
perche, ça serait bien une perche. Ouais, j'aurais bien voulu valider ce crank sur une perche. Mais bon. Bon, encore un petit chocheux. Et ils se décrochent tout seuls, c'est nickel ça. Hop. Allez mon père, le père. Hop là. Poisson. Et la branche aussi, mais. Yeah. Platon, messieurs. Il y avait bien plus gros au milieu. Et ben voilà, hop. Thank you.